Bonjour mes petits, comment allez-vous aujourd'hui? Mais enlevez donc votre veste et vos chaussures, ça leur permettra de sécher quelque peu pendant que vous êtes là. Où en étions-nous déjà? Ah oui! Caroline culpabilisait sincèrement d'avoir laissé Farfouille s'en aller alors qu'une tempête de neige commençait à faire rage. Le nez dorénavant collé à la vitre, Caroline s'aperçut que le temps s'était très fortement dégradé. Elle imagina alors le pauvre Farfouille dehors, dans le froid, à cause de son impatience. Cette interview de Monsieur Noël valait-elle vraiment de mettre en danger son nouvel ami? Certainement pas. Prise de remords et poussée par une force imperceptible, Caroline ouvrit la porte du chalet et décida d'aller elle-même à la recherche du lutin. Elle commença à avancer au milieu de la poudreuse qui lui arrivait maintenant jusqu'aux genoux, mais ne renonça pas. Cela faisait de très nombreuses années qu'elle n'avait pas été animée par un sentiment aussi fort, celui de faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. Était-ce vraiment par altruisme ou bien l'a-t-elle fait pour se sentir moins coupable? La frontière entre les deux est bien souvent très fine. Mais reprenons. Caroline brava le froid, la neige et le vent. Mais bientôt, elle commença à ressentir de plus en plus de difficultés à avancer. Heureusement pour elle, elle aperçut alors l'entrée d'une sorte de petite caverne. Elle s'approcha de celle-ci et se reposa quelques instants. Elle s'inquiétait de plus en plus pour Farfouille et commençait réellement à craindre pour sa vie. Caroline n'était plus animée par la culpabilité, mais bel et bien par un sentiment plus profond et surtout plus fort. L'inquiétude. Le temps semblant se calmer quelque peu, elle décida de sortir de la grotte et continua son ascension. C'est alors qu'une pensée fugace lui vint, tétanisant tout son être. Était-elle sur la bonne route? Dans sa précipitation, elle n'avait même pas pris la peine de demander son chemin au lutin avant de partir. Elle regarda autour d'elle, le froid glacial s'insinuant jusque dans ses os, et n'aperçut même plus les empreintes de ses pas, ayant été balayée par les vents déchaînés. Dans un souffle, Caroline sentit son corps fébrile se dérober et perdit connaissance au milieu de cette immensité maculée. Alors là, je crois bien que Caroline n'a jamais été en si mauvaise posture. Comment va-t-elle bien pouvoir s'en sortir? Et Farfouille, réussira-t-elle à le retrouver à temps? Eh bien, c'est ce que nous verrons demain, car il est déjà l'heure. N'oubliez pas de remettre vos chaussures et votre veste, car il fait bien froid dehors. À demain, mes petits.